De la Teste le dernier avant son exploitation commerciale. Ariane 5 se fait un peu attendre, rien de grave, mais le compte à rebours a été arrêté par deux fois. La première fois, des capteurs du moteur principal, le moteur Vulcain, ont noté un problème de refroidissement. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué la deuxième interruption, mais le lancement est prévu pour, comme vous pouvez le voir sur votre écran, un peu moins de 7 minutes. Un lancement à suivre, bien entendu, en direct sur Euronews. Des compléments des plans. Bienvenue à Kourou, en Guyane. Vous allez pouvoir assister en direct, grâce à Euronews, au lancement de la fusée européenne Ariane 5 au port spatial de l'Europe, situé sur la côte nord du continent sud-américain, en Guyane française. C'est aujourd'hui que le lanceur fait sa rentrée. C'est son dernier lancement test. Après, commenceront les vols commerciaux. Oui, il ne reste plus que 2 minutes. Qui se condense. L'air en Guyane est très humide. Et les sorties du système de mise en froid du moteur fait que l'eau dans l'air condense et forme cette petite nuage qu'on voit en bas du Vulcain. Moins de 2 minutes maintenant. Voilà, on s'approche aussi d'un point très important. Ça sera le point de commutation de l'alimentation électrique du sol vers les bords. Donc on voit que peu à peu, les lanceurs deviennent de plus en plus autonomes. Ça sera à moins 8 minutes et sera annoncé par les DDO car c'est un point très important de la séquence synchronisée. À partir de ce moment-là, les événements vont s'accélérer très rapidement et on lancera très vite, après moins 1 minute, la séquence de l'image. Le DDO va annoncer le H moins 1 minute. Rappelons l'importance d'Ariane 5 qui a une charge utile supérieure à Ariane 4 puisqu'elle devrait transporter 6 tonnes 8 au lieu d'un peu plus de 4 tonnes pour Ariane 4. Top, à 0 moins 1 minute. À partir de maintenant, les événements vont plus de minutes. Voilà, maintenant, le lanceur, on peut dire qu'il est pratiquement autonome. Il manque seulement à récupérer la gérance de la communication et les démarrer les problèmes des vols. Et le décollage n'intervient pas à H0 exactement. Il va intervenir à plus 7 secondes après avoir contrôlé les moteurs Vulcains qui se mettront en route à partir des H0. On verra l'alignement quelques secondes avant des moteurs, l'allumage, ainsi que l'allumage des deux brûleurs latéraux dont son but c'est de brûler l'hydrogène liquide résiduel autour de Vulcain. Attendons maintenant la chronologie. Vous entendez la voix des deux commentateurs de la salle Jupiter 2. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage Vulcain. Voilà, le moteur principal Vulcain est mis à feu. 6 secondes plus tard, les deux boosters. Allumage EAP et décollage. Tout paramètre mort, domino. Décollage d'Ariane 5, troisième vol de qualification. Voilà, donc ce vol de qualification, le dernier avant le programme commercial d'Ariane 5, semble se dérouler parfaitement. Dans quelques dizaines de secondes, les boosters auront terminé leur office et ils tomberont dans l'océan. Ils seront ensuite récupérés afin d'être étudiés. 1200 tonnes à pousser. Il faut savoir que le moteur, les deux moteurs que vous voyez actuellement des deux côtés d'Ariane dégagent une puissance colossale. Il y a 237 tonnes de poudre dans chaque propulseur. Des labels de lancement. Des propulseurs qui vont brûler pendant 130 secondes. Quant au moteur Vulcain, le moteur central, il dégage lui une puissance qui est équivalente à 2 TGV. Normal, tous les paramètres à bord sont normaux. D'où nous viennent ces images? Si vous voulez vous faire une idée de la puissance qui est dégagée par ce lanceur Ariane 5 au décollage, il s'agit de l'équivalent de l'ensemble de l'énergie de l'ensemble des centrales du réseau français EDF. En face des côtes des Kourou à 18 km. Voilà, ce sont les images du cinétélescope infrarouge. Ce cinétélescope, il est équipé des différentes caméras. Les mouvements qu'on voit, ce n'est qu'un mouvement relatif entre les passages des Ariane 5 sur la verticale du cinétélescope. Donc la trajectoire est parfaitement nominale.
Voilà, le télescope, il a basculé et maintenant on voit de l'autre côté s'éloigner. Paramètre à bord d'un mot. Voilà, une fois que la fusée aura atteint 60 km d'altitude, les deux moteurs latéraux seront largués. Et Ariane 5 continuera avec son seul moteur Vulcain. On s'approche de la séparation des boosters. Que de poussée EAP normal. Tous les paramètres à bord sont normaux. Largage des deux EAP. Voilà, les deux propulseurs. Tous les paramètres à bord sont normaux. On était séparés. Voilà, vous avez pu entendre parler d'EAP. Il s'agit des étages d'accélération à propulsion. Qui nous indique le chemin. Tous les paramètres à bord sont normaux. Oui, la courbe qu'on voit sur la partie inférieure à gauche nous indique la position d'Ariane. Les petits ronds indiquent la position théorique et la croix qui est juste à l'intérieur nous indique la position réelle d'Ariane. Dans l'état d'informations qu'on peut regarder maintenant à l'écran, tout est nominal et on s'approche de la séparation de la coiffe. Et à droite, nous avons une série de chiffres et d'informations. Sur la courbe, l'axe vertical, c'est l'altitude, et l'axe horizontal, c'est la distance courbiligne depuis la barre de lancement. À droite, on a un certain nombre de paramètres. Largage de la coiffe. Voilà, la coiffe, elle a été larguée. La coiffe, elle pèse 2 tonnes, et il est inutile de la transporter plus longtemps lorsque les passagers ne sont plus dans l'air. Les paramètres à bord sont normaux. Sur cette image de synthèse, on voit la séparation de cette coiffe en deux parties. Nous rappelons que les deux EAP qui se sont bien séparés après sa mission accomplie parfaitement sont fabriqués par la firme Aeropropulsion qui est composée de la firme italienne Fiat Avio et de la ECP, une division de l'Echneckma. Paramètres à bord nominaux. Et nous en profitons pour adresser nos amitiés aux Italiens qui suivent cette vidéotransmission. La coiffe à son tour est fabriquée par Contravest Space en Suisse. Un bonjour aux Suisses. Et puisqu'il est question des différents partenaires, rappelons également que la nouveauté d'Ariane 5, c'est également que pour la première fois, la France détient moins de 50% du financement d'Ariane, puisqu'il est actuellement d'un peu plus de 46%. C'est donc une Ariane encore plus européenne. Une autre centrale inertielle qui est pilote, c'est la nominale. C'est des moyens redondés. On a aussi une indication sur l'altitude, 156 km actuellement, et la vitesse, 2,7 km par seconde. Normaux. Ariane suit parfaitement la trajectoire qui lui a été donnée par sa case à équipement. Tout cela étant visualisé sur cette courbe. Maintenant, c'est Vulcain, les moteurs de l'étage principal qui propulse Ariane. Ces moteurs, actuellement, de pilotage nominaux. En dehors de l'atmosphère, nous donnent une poussée de l'ordre de 120 nominale. Tonnes. La trajectoire est nominale. À l'écran, Monsieur Luton. Voilà, donc actuellement la fusée n'est plus propulsée que par son moteur Vulcain qui va lui-même au bout d'un moment terminer de fonctionner. Il sera alors rendu inerte et retombera dans le Pacifique à un peu plus de 1000 km des côtes de la Colombie. Contrairement aux EAP, lui ne sera pas récupéré. L'écran est divisé en quatre. En haut à gauche, accrochage du casse-glance sur les EAP. Bien, je crois que ça, c'est une information importante. On va récupérer les EAP. Les CAP, ils ont été séparés et ils vont rentrer sur l'Atlantique. Tous les paramètres à bord sont normaux. Vont être suivis par deux avions équipés des moyens optiques qui vont filmer la façon, l'attitude, la trajectoire de retombée de ces deux boosters. Et en mer, on a un bateau équipé pour les récupérer. Ils sont équipés de parachutes, bien sûr, pour cette descente, et des plongeurs vont s'occuper d'eux pour les récupérer. Ils vont revenir à Kourou pour expertise.
L'écran est donc divisé en quatre, en haut les opérationnels. Voilà, il ne va pas nous être possible de vous transmettre en direct l'intégralité de cette mission Ariane qui devrait durer 40 minutes jusqu'aux essais finaux des moteurs à propulsion qui sont destinés uniquement à la maquette du passager, c'est-à-dire de la maquette d'un satellite de communication. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, tout se passe comme prévu. Ariane 5 est donc en train visiblement de réussir son dernier lancement test, son dernier lancement avant le début de ses vols commerciaux qui sont prévus pour le début de l'année prochaine. C'est une dizaine de minutes, plus exactement 599 secondes, que l'étage va fonctionner. Pendant le visuel des deux EAP par le bateau de récupération est confirmé. Il va consommer plus de 250 kg d'ergol par seconde. Il reste environ 2 minutes 30 de poussée sur le PC. On a reçu une information comme quoi les bateaux...